Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Comme d'habitude, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a un sujet très sensible, un sujet qui refait surface, disons. Il s'agit bien du dossier Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Des témoignages qui peuvent faire rebondir ce dossier. Deux des témoins clés de cet assassinat ont répondu à la Radio France Internationale. Nous allons nous poser la question si ces révélations peuvent changer la donne. En dehors de cela, nous allons également parler de certaines questions d'actualité en République démocratique du Congo. Pourquoi pas l'Union sacrée? Pourquoi pas la désignation, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Jonas Tshombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile de la République démocratique du Congo. Jonas Tshombela, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de nous recevoir dans ce cadre. Et ensemble, nous avons suivi les témoignages de ces, je peux dire, les témoins oculaires de l'assassinat de Floribert Chebeya. Ils sont depuis en exil. En écoutant ces témoignages, qu'est-ce que vous avez ressenti? Certainement, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous savez, j'ai eu le sentiment de chagrin, de douleur, pleine d'émotions, insupportable, que ceux qui ont participé à l'assassinat parlent comme si on parlait d'une chèvre, d'un poulet ou d'un serpent, mais d'un être humain qui a passé une bonne partie de sa vie à défendre ceux-là même qui l'ont amené à la mort. C'est extrêmement triste. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de moi le sentiment de joie. Je ne peux pas. Par contre, un autre sentiment s'est invité, c'est le sentiment de la recherche de la justice pour Floribert Chebeya. Nous ne pouvons pas continuer dans une société avec tous ces mécanismes d'impunité, une stratégie mise en place rien que pour nuire les autres, supprimer des vies humaines, détourner les biens publics. Alors, pour nous, nous avons estimé qu'il fallait que ce procès soit réouvert et qu'il reprenne à zéro. Ce procès soit réouvert et qu'il reprenne à zéro, ça c'est votre souhait, c'est d'ailleurs le souhait également de sa femme, la veuve. Elle veut que le procès soit réouvert. Mais est-ce que ces révélations peuvent avoir un impact dans ce sens-là pour la réouverture du dossier? Oui, mais c'est des gens qui ont participé à l'opération de l'exécution de Floribert Chebeya qui disent ce qu'ils ont pu réaliser comme travail. Mais ces gens, ils sont prêts à témoigner tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a des noms qui ont été cités, comme le cas du général John Numbi, ça a été cité tout le temps. Mais il n'a jamais comparé celui-là. Il jouissait de l'impunité, de largesse de la République dont il était le baron, de l'impunité. Et au point où il était intouchable, il avait droit à nos vies, même à nous les supprimer, parfois même avec une forte prétention de nous les donner. Alors, il continue de circuler librement, comme s'il ne se reprochait rien, et que la justice de cette époque-là, comme si c'était un poulet qu'on avait tué. Donc, nous pensons que ce rebondissement est une bonne opportunité qui coïncide avec le vœu du chef de l'État de prôner au cœur de l'Afrique un État de droit. L'état de droit, c'est aussi la lutte contre l'impunité. Et c'est pour cette raison que nous croyons que ce qui s'est passé ce jour-là, ces policiers doivent être sécurisés. John Numbi doit être arrêté immédiatement. L'air ferme avec son collègue, où est censé retrouver le corps de Fidèle Bazana. Mais la parcelle de Djadjadjé, c'est Djadjadjé, il me semble que cette concession a été vendue aujourd'hui, il n'y a plus de traces. Oui, les traces ne manqueront jamais. Parce que les policiers savent là où l'affaire s'était passée. Les traces ne manqueront jamais là où il y avait des cimetières, on saura toujours.
10 ans après, nous ne pouvons pas avoir la prétention de retrouver Fidel Bazana vivant. C'est qu'il est déjà perdu. Même quand il y a des soupçons à l'époque, nous avons été ce matin avec l'avocat qui pilotait le collectif de ses collègues dans ce dossier. Il nous a dit que déjà à l'époque, lorsqu'on a surveillé les téléphones de tous ceux qui étaient soupçonnés, tout convergeait vers Mitendi. Ils étaient tous dans ces rayons-là. Et c'est ces rayons-là où on a trouvé le corps de Floribert Chebeya. C'est dans ces rayons-là où est censé se retrouver le corps de Fidel Bazana. Ils n'ont pas été nulle part d'autre. Tous, ils ont été sillonnés là-bas. Ça, c'est le relevé de leur communication qui indique comment ils ont sillonné les sphères. Tous ces gens qui sont cités, leur téléphone de l'époque indique les rayons. C'est certain que peut-être qu'à l'époque, comme ils savent que c'est le rayon qui est circonscrit et qu'ils aient enlevé le corps, mais l'endroit sera toujours connu et les traces ne manqueront jamais. L'endroit sera connu, les traces ne manqueront jamais. Vous avez évoqué tantôt le nom de John Numbi qui est cité depuis comme commanditaire principal de cet assassinat ignoble. Il y a également certaines sources qui parlent aussi de Joseph Kabila. Avez-vous appris ces genres d'informations? Vous savez, il y a beaucoup de noms qui sont cités dans ce dossier. Et les auteurs matériels, les auteurs intellectuels, c'est une des raisons de plus d'ailleurs. Qu'on cite Joseph, qu'on ne le cite pas. Qu'on cite John Numbi, qu'on ne le cite pas. L'une des bonnes manières de le faire, c'est que c'est la justice, c'est l'exercice de ces dossiers, et que le procès soit rouvert. Comme ça, ils peuvent être lavés de tout soupçon si la justice ne les reconnaît pas la culpabilité. Tant mieux. Mais tout ce que nous voulons, c'est la justice. Ça aussi, c'est l'état de droit. Au lieu que nous, on se fasse justice, nous recourons à l'instance qualifiée. C'est ça aussi l'état de droit. Plusieurs noms sont cités. Qui ne savait que chez le fameux général JJ, il avait une concession où on pouvait retrouver ce que personne ne savait. Qui savait que ce policier, le D, Ilunga et son collègue, qui savait que ce policier-là était au courant, où il était aux manœuvres, où ils ont transporté même le corps? Ils disent des choses horribles, comme si on était en train d'abattre une vache pour une fête. Mais vous êtes acteur de la société civile, votre collègue Chebeya qui a été assassiné à l'époque. Est-ce que vous pouvez avoir peut-être les raisons qui ont conduit à cet assassinat? Ça, c'est la justice qui nous dira. Et ceux qui l'ont tué, nous le dirons. Ceux qui ont tué, entre autres, John Numbi, je reviens un peu sur John Numbi. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il est dans sa ferme à Lubumbashi, il vit paisiblement. Avec le régime de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, on peut espérer à une justice équitable, c'est ça? Mais c'est tout le vœu du président de la République. Vous n'avez qu'à entendre tous ses discours, tous ceux qui l'ont rencontré. Il ne cesse de répéter qu'il fera tout pour que la justice puisse jouir réellement de sa liberté du travail. Qu'elle soit une justice, qu'elle soit réellement indépendante et au service des justiciables. Et ça, il le dit. Les actes sont là. Donc, nous croyons que c'est une bonne opportunité pour que ce procès soit rouvert. Que tous ceux qui se sont crus Dieu sur la terre se rendent compte qu'avant d'aller au ciel, il y a la justice de la terre qui doit s'occuper d'eux. Voilà, nous espérons que la justice de la terre va s'occuper de ces gens-là, à condition que ces gens-là qui ont fait des révélations puissent venir témoigner devant la justice, parce qu'ils sont en exil dans des pays méconnus jusque-là. Vous savez que Paul Milambo était toujours prêt à venir au pays. Nous avons dit attention qu'ils ne viennent pas, l'environnement n'était pas favorable pour sa sécurité. Donc ils sont, en parlant, ils sont prêts à témoigner. Ne vous en faites pas. Lorsque le procès sera ouvert, ils viendront parler. Merci beaucoup, Jonas Tshombela. Je rappelle que vous êtes notre invité de ce face-à-face. Nous avons parlé du dossier de Floribert Chebeya. Nous allons prendre certaines questions d'actualité aujourd'hui. L'Union sacrée. L'Union sacrée, le bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Le Premier ministre a été démis. Le dernier verrou de Joseph Kabila, du régime Kabila qui restait, c'était Alexis Thambwe Mwamba au Sénat.
il est parti, nous pouvons croire aujourd'hui que Félix Tshisekedi a les mains déliées, il peut exécuter son action comme il veut. Bon, c'est l'illusion de vous dire qu'il avait déjà les mains liées. Ça, parce que quelqu'un qui a les mains liées ne pouvait pas délier ces gens-là. Donc c'est déjà une illusion que les gens croient qu'il avait les mains liées. Il avait les mains libres. Mais c'est un grand stratège. Il a dit qu'il a subi toutes les humiliations. Ça ne veut pas dire qu'il avait les mains liées. Il voyait comment les choses se tournaient. Ça veut dire que quand on arrive, il y a un adage qui dit, quand vous allez chez les gens, il faut savoir comment ils dansent avant que tu commences à danser. Il a cherché à comprendre les mécanismes et le système qui était en place. Et il a étudié aussi le mécanisme qu'il fallait. Et il a dit que je crois que c'est aux États-Unis, que le système dictatorial sera déboulonné. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ça crée même, ça fait l'objet d'un communiqué de ses collègues FCC pour dire pourquoi il dit ça. En faisant déjà le communiqué, ils se faisaient identifier à des dictateurs. Et ils avaient en face quelqu'un qui tient à ce que la dictature s'arrête. Et ils ont continué à faire ce mouvement-là. Donc, à ce stade, nous pouvons dire qu'il a toutes les chances de repartir à zéro. Mais là, nous aurons déjà perdu 2 ans. Oui, surtout ça. Nous avons déjà perdu 2 ans. Et dans les 2 ans, le plus grand perdant, c'est le peuple congolais. Et celui qui rendra le bilan à la fin, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il avait intérêt de continuer dans un bateau où il y avait des gens qui voulaient naviguer à contre-courant? Quand on parle de les spécialistes, j'allais dire des gens avec des agendas sataniques qui sont là, lorsqu'il faut faire le bien pour leurs compatriotes, c'est mal. Vous voyez la question de l'accès à l'éducation de base, la gratuité. Comment on peut combattre un tel bien? Qui dirait que ce n'est pas la volonté de Tshisekedi? C'est inscrit dans la Constitution. Tshisekedi n'a fait qu'appliquer la Constitution. Mais comment combattre? Peut-être personne ne l'a combattu. L'État n'a pas trouvé les moyens nécessaires. Mais pourquoi? Il y a un problème. Le ministre de l'Éducation, il semble qu'il ne va plus. Il en a demandé de ne pas bouger. Il me semble. Ah oui. Il semble qu'il ne va pas bouger. C'est pourquoi? Ah voilà. On nous parle des écoles fictives, on nous parle des postes fictifs, des dilapidations de l'argent. Il y avait un problème de sabotage dans les dispositifs. Uh-huh. Voyez, c'est comme ça que nous, on n'avait jamais cru à la coalition FCC-CACH. Ça, c'était une coalition d'hypocrites, une coalition où il n'y avait pas la sincérité, une coalition où il n'y avait pas l'honnêteté, mais on faisait semblant d'être ensemble. Lui-même, le président, croyant ça. Le président est allé de bonne foi sans être son porte-parole. Je crois qu'il est allé de bonne foi. Les hommes peuvent changer avec un nouveau environnement. Mais ils ont cru, moi j'ai le temps de rencontrer le chef de l'État. Je l'ai entendu parler pour nommer un militaire à l'Est. Pourtant il y a l'insécurité à l'Est. Il fallait aller demander aux gens de FCC. Mais qui est finalement, il y a des signatures de présidents dans ces pays. Vous voyez, déjà, moi j'ai posé le problème de, qu'il faut qu'on déplace l'histoire de Minembola, que ça devienne un centre de formation militaire. Il dit effectivement, c'est le problème qui me déchire. Avec ces gens, ils pensent que pour que je nomme un militaire là-bas, je dois aller demander la vie. Vous voyez, déjà, je crois que c'est quelqu'un qui a enduré beaucoup de choses, mais je le comprends. Étant quelqu'un qui est passé dans une opposition extrême, et il a la capacité d'endosser, peut-être que les autres n'ont pas. Il a endossé près de 2 ans, c'est terrible. Alors, il était au bout. Et il dira, cette crise à l'interne était de nature à perturber la paix sociale. En sa qualité de garant de la nation, il devait prendre une décision pour recadrer les choses et le recentrer sur l'intérêt supérieur de la population. D'où il a justifié les consultations que vous avez vues, beaucoup de gens de haut en bas défiler pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il faut faire pour réajuster la gouvernance de la République. L'intérêt supérieur de la nation veut dire aussi un gouvernement capable de répondre aux besoins de la population. Ce gouvernement-là d'Union Sacrée, c'est pour bientôt. Vous, en tant qu'acteur
acteurs de la société civile. Qu'est-ce que vous préconisez? Quel profil des membres du gouvernement que vous préférez doit-il nommer les technocrates ou les politiques? Et quelle est la taille du gouvernement que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous préconisez? D'abord, une taille réduite. Une taille réduite. 45 ministres et quelques vice-ministres, ça peut aller. Pas cette histoire qu'on a vue des 65 ministres qui ne faisaient rien. Contradiction sur contradiction. C'est le seul gouvernement dans le monde entier où on a vu un premier ministre avec un porte-parole qui répond au chef de l'État dans la presse. C'est jamais vu dans ce pays. Et qui répond au chef de l'État. C'est comme si il y avait deux chefs de l'État. Alors qu'il siège dans un même gouvernement, dans le cadre interne, il ne pouvait parler de cela. C'est ça qu'on a vu. C'est le gouvernement là ne pouvait pas aller loin. Un ministre qui conteste une décision, un président de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui conteste ce que le président de la République est en train de faire, la contradiction et la crise institutionnelle étaient visibles, il était temps. Maintenant, quel profil? Je vous ai déjà parlé de la taille. De la taille, il faut réduire. Deuxièmement, qu'il soit technocrate ou politicien, mais c'est celui qui a un agenda. Celui qui a un agenda du peuple. L'agenda du peuple, c'est le besoin du peuple. C'est les aspirations du peuple. C'est cet homme-là qui n'a pas l'ambition d'aller servir pour se servir lui-même, mais d'aller servir et servir les autres. Et ça sera peut-être ces mêmes gens-là qui ont travaillé avec Joseph. Dieu, ne vous en faites pas. Tu sais que Dieu n'ira pas au ciel pour prendre les anges et travailler avec eux. Il va travailler toujours avec ces mêmes Congolais, mais dans un nouveau environnement. Pas dans l'environnement de l'impunité. Pas dans l'environnement où il faut aller faire des courbettes. Pas dans l'environnement des mots d'ordre. Pas dans l'environnement des autorités morales. Mais dans l'environnement où l'intérêt supérieur de la population est le leitmotiv. Et c'est ça qui nous dirige. Cet environnement-là, il n'y a que les mêmes Congolais qui doivent se l'adapter. C'est le même que vous êtes en train de dire qu'ils ont travaillé avec Kabila. Mais qui n'a pas travaillé avec Kabila dans ce pays? Parce qu'il a fait 18 ans. Certainement, il a courtoyé l'un ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc, Tshisekedi n'ira pas au ciel pour aller prendre les anges et venir les mettre sur la terre et travailler à la place des Congolais. C'est toujours les mêmes Congolais qui doivent comprendre qu'il était temps de changer. Il faut aussi que les ministres qui seront en place aient un contrat de performance. Le contrat de performance est essentiel. Là, on peut donner quelqu'un ministère, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend de ce ministère. C'est très dangereux ça. Il faut qu'on lui dise qu'au bout de l'année, nous devons avoir de toi ça, 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 ça. Et qu'à la fin de l'année, on évalue. Si le ministère n'a pas été à la hauteur de sa tâche, on le débarque, on place un autre ministre. Voilà autant de choses qui peuvent être possibles. Donc, le profil, c'est des hommes et des femmes qui n'ont que l'intérêt supérieur de la nation comme l'air mobile de participer au gouvernement. Pas ces hommes qui viennent pour se positionner, détourner l'argent et préparer les prochaines élections. Du reste, qu'ils ne sont jamais de bonnes, mais qu'il faut faire. C'est ces hommes et ces femmes qui font avoir un agenda avec résultat. Avec résultat, Jeunesse Tshombela, d'où viendra les résultats? Parce que aujourd'hui, l'Union sacrée ressemble à un fourre-tout où on retrouve les kabilistes, les tshisekedistes, les katumbistes, les bembistes, tout le monde est dans l'Union sacrée. Est-ce que ces gens-là, tous ces gens-là, vous avez dit que Tshisekedi n'ira pas chercher les gens dans le ciel, bah, tous ces gens-là, chacun certainement viendra avec son cahier des charges. Et surtout, il ne faut pas oublier, 2023 approche. Chacun voudra préparer son 2023. Vous comprenez de ce que je suis en train de dire. Est-ce que de ce fait-là, ils vont vraiment travailler pour l'intérêt supérieur de la nation? Il faut faire attention. Il faut dire que ils ne viennent pas parce qu'il y avait un trou, ils doivent passer. Ils viennent parce qu'il y avait un besoin. Et quand ils viennent, c'est pour répondre à ces besoins-là. Ils ne viennent pas pour répondre à leurs besoins de 2023. Il faut qu'ils le sachent. Que vous soyez tshisekediste, que vous soyez mbembiste, comme vous le citez là, ou katumbiste, maintenant, on ne sait même pas quel est le contenu de mbembiste, quel est le contenu de katumbiste ou de tshisekediste, tout ça, je ne comprends même pas grand-chose. Mais au moins, c'est suite à l'appel du chef de l'État. Donc c'est celui qui vous a appelé qui vous donne ce qu'il vous doit faire. Ce n'est pas vous qui êtes appelé qui allez faire ce que vous voulez faire. Et il le dit. Et les gens doivent le comprendre.
ne venez pas dans vos têtes avec vos cahiers de charges, parce qu'il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui vous a appelé, qui a déjà un cahier. Ils cherchent les gens qui peuvent l'aider à travailler. Ils ne sont pas venus faire les cadeaux au chef de l'État. Ah, mais c'est pour cette raison, soit qu'il fallait venir ou ne pas venir. Parce qu'il n'y a personne qu'on a tiré par force. C'est suite à cet appel, voilà, je suis dans les difficultés, 1, 2, 3, 4 difficultés. Voilà les possibilités des solutions que j'avais que je ne pouvais pas. C'est que quand tu viens, tu dois t'inscrire dans la logique. C'est pour cette raison qu'on parle, c'est un nouveau environnement. Ce n'est pas, même l'environnement FCCKH était toujours un environnement pollué. C'est le même environnement, mais avec une nouvelle vision. Donc cette nouvelle vision doit être intériorisée par ceux qui vont l'animer. Si quelqu'un n'arrive pas à intérioriser cette vision, c'est qu'il est en dehors de l'appel. Et dans ces conditions-là, faut-il continuer ou arrêter? Il n'a qu'à répondre lui-même, celui qui vient avec cette vision-là. Jonas Tchombela, Martin Fayulu, lors d'une de ses sorties médiatiques, c'était bien avant... C'était au mois de décembre, je pense bien. Il a dit que l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse de la coalition FCC-CACH. Nous sommes en train de le voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Christophe Mbosso, qui remplace Mabunda, les deux sont d'une ancienne famille, une même ancienne famille politique, le FCC. Barthi Mpwebo, nommé informateur, ancien du régime Kabila. Certainement, on aura des gens comme ça à la tête des institutions qui viennent du régime Kabila. Est-ce que vous ne donnez pas raison à Martin Fayulu quand il dit que Kabila et Tshisekedi ne se sont pas séparés? Oui, il faut que je vous dise deux ou trois choses là-dessus. Je commence par vous dire, lui-même, le président Martin, je le connais personnellement, on se connaît. Je le respecte, je respecte aussi son opinion, mais je ne partage pas un certain nombre de choses. Lui-même, le président Martin Fayulu, il a travaillé avec Katumbi. Katumbi a travaillé avec Kabila. Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Parce qu'il parle de tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Mais Katumbi a travaillé avec Kabila. Katumbi a compris que le moment n'était plus pour continuer. Pourquoi il n'a pas dénoncé cela? C'est là aussi, comme Mbosso, comme bien d'autres, ils ont compris que tu as continué à travailler dans cet environnement-là égoïste, ça ne vaut plus la peine. Ils ont accepté de changer de Kazakh. Où est le danger? Donc, je crois que quand on ne veut pas disparaître politiquement, on cherche à paraître politiquement, mais il faut savoir comment paraître politiquement très bien pour que l'opinion apprécie ce que vous faites comme travail. Moi, je pense que le président Fayulu a loupé une bonne opportunité. D'abord, il y en a deux. La première opportunité, quand tu n'as pas pu gagner les élections, le président Fayulu ferait mieux d'organiser l'opposition. Comme il ne voulait pas participer, il ferait mieux d'organiser l'opposition. Et cette opposition, il n'a pas pu. On a vu l'équipe en train de distribuer des cartons rouges, jaunes, verts. Et maintenant, là, tout ce qui est autour de l'ancien Lamuka, tous sont partis. Il est resté seul. Encore faut-il que les opposants même se reconnaissent en lui. Parce qu'il y a le PPRD et les autres FCC qui deviennent aussi opposants. Le PPRD dit n'être pas dans l'opposition. Ah, on verra comment ils ne sont pas dans l'opposition. Dans tout le cas, moi j'ai entendu un cadre supérieur du PPRD, ils sont de fait déjà dans l'opposition. Ça c'est un. Deuxièmement, cette opportunité de réajuster le tir, parce qu'il se battait pour que Tshisekedi se sépare de Kabila. Tshisekedi vient d'offrir une opportunité de se séparer de ce régime. Et pourquoi ne pas soutenir? Alors, qui finalement soutient Kabila? C'est lui. Donc, c'est lui, parce qu'il fait le jeu de celui qui s'oppose à ce qu'on veut mettre en place, ce qu'il a demandé. Il a demandé des réformes. Maintenant, nous avons une bonne opportunité d'organiser des réformes. Voyez, donc voilà, cette contradiction-là pose des problèmes. Moi, je ne suis pas politicien. Cette contradiction-là pose des soucis de comprendre une suite logique de la démarche pour qu'on arrive à un compromis. Là, nous sommes perdus. Tantôt, on dit que non, on n'est pas ceux qui ont travaillé avec Kabila. Lui-même a travaillé avec ceux-là. Non. Ici, je vous ai bien dit, Tshisekedi, même Moïse Katumbi, même Bemba, n'iront pas au ciel pour prendre les anges.
il n'y a qu'avec les Congolais qu'ils vont changer les choses s'ils tiennent à le changer et bien le changer. Donc l'intérêt supérieur de la population, je pense que c'est ça qui motive actuellement l'action des gouvernements qui sont en train de se mettre en place. Donc le problème du président Fayulu, c'est un leader politique. Je crois que dans un espace de la démocratie, on ne peut pas lui contester d'émettre des points de vue. Vous avez dit tantôt qu'il ne veut pas disparaître politiquement, mais il a un certain ancrage politique. Bon, tout ça, il faut qu'on ait des paramètres pour qu'on y arrive. Quoi. Il faut qu'on ait des paramètres. Moi, je n'ai pas de paramètres. Je ne doute pas que c'est un leader politique. Je le connais très bien. Je sais qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais aussi, avec ses forces et ses faiblesses, pour le moment, nous nous sommes préoccupés pour voir dans quelle mesure tant sauver tant soit paix et que le peuple aussi trouve son compte. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, nous attendons, on sait que le peuple va tirer comme bénéfice de cette union sacrée. D'ici peu, nous allons avoir le gouvernement de l'union sacrée, mais nous n'avons pas parlé du Premier ministre. Le profil du prochain Premier ministre, est-ce que ça doit être, comme les uns le disent, un leader d'opinion? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui est sorti du néant pour ne pas porter ombrage au chef de l'État? Moi, je pense qu'il faut laisser Tshisekedi lui-même décider dans son pouvoir discrétionnaire qui il veut mettre le Premier ministre qui répond à son appel. Donc, l'opinion publique va spéculer. Il spécule sur base des anciens premiers ministres, mais il faut spéculer sur base de cette nouvelle vision pour vous faire une idée. Nous étions de ceux-là qui avaient cru qu'au lieu de perdre de temps avec l'informateur et puis le formateur, il fallait fusionner tout, donner à une seule personne et la personne pouvait conduire le travail. En ce moment, si on aurait déjà eu le gouvernement. Mais parce qu'on a séparé les choses, ça nous fait prendre du temps. Le temps n'est plus notre allié. Si nous insistons sur cette affaire, c'est parce que nous estimons que nous avons déjà perdu 2 ans. Et le président Tshisekedi doit être conscient que celui qui doit répondre, tous ces gens qui sont en train de nous distraire ou le distraire, ne seront pas devant le peuple, il sera seul devant le peuple. C'est pour cette raison qu'il doit choisir un premier ministre qui doit l'accompagner dans la vision et dans ses promesses qu'il a faites à la population congolaise. Agir autrement, il répondra seul. Jonas Tomé, là, vous également, vous avez rencontré le chef de l'État dans le cadre des consultations. Si vous étiez appelé par le chef de l'État pour être nommé Premier ministre, ça vous enchanterait? Vous savez, moi, je ne suis pas dans la dynamique de... Parce que là, il n'y aura pas seulement des politiques, il y aura des technocrates, des politiques, même vous, les acteurs de la société civile, vous pouvez faire partie du gouvernement de l'Union sacrée. Et si Jonas Tshombe a été appelé pour être... Vous savez, je vais répondre à ta question, mais je voudrais vous dire une chose. On ne peut pas commencer à tabler sur des spéculations. Ça, c'est le jeu des gens de la rue. On ne peut pas commencer à tabler sur des spéculations. Maintenant, je reviens à votre question. Oui. Le chef de l'État a fait appel dans son message de 23 octobre que le pays courait le danger et qu'il devait consulter toutes les forces représentatives du pays. Et à la fin, il a fait un message où il annonçait la création de l'union sacrée de la nation. J'insiste, l'union sacrée de la nation. Ça suppose toutes les forces du pays. Et si c'est dans ce contexte-là, nous vous dirons quand il nous fera appel. Merci beaucoup, Jonas Tshombela. Notre dernier sujet, vous avez suivi ensemble avec nous le week-end. Félix Tshisekedi, plébiscité président de l'Union africaine. D'abord, avant d'entrer sur d'autres questions, qu'est-ce que la RDC peut tirer comme bénéfice avec son chef en tête de l'Union africaine? Ben, je crois que d'abord, je profite de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations. Parce que ce n'est pas Tshisekedi que je vois la RDC qui est en train de prendre la place dans le concert des nations grâce à sa diplomatie qu'il a mise en place. Nous étions absents depuis Mobutu, près d'une vingtaine ou trentaine d'années, où le Congo a était à la tête de cette grande institution panafricaine. Et aujourd'hui, Tshisekedi y arrive et ça s'inscrit dans la suite logique de la diplomatie de la RDC qui était au bas de l'échelon,
qui est en train de reprendre du poil pour faire rayonner l'image du Congo et des Congolais et de ses dirigeants. Donc nous, nous avons entendu le discours du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, mais il faudra que beaucoup de Congolais fassent beaucoup plus attention. C'est un poste politique, c'est un poste stratégique pour les grandes orientations de l'action communautaire de la grande famille africaine sur des questions stratégiques, les questions de sécurité, les questions de terrorisme, les questions. Il a même dit qu'il faut qu'on rapatrie au pays tout le patrimoine culturel qui a été volé par les. Ça se fait partie pour l'ensemble de la République, la question de la protection de l'environnement. Vous l'avez vu, il est même sur un dossier actuellement sur le Soudan et l'Égypte qui oui. risquent de se déchirer sur la question des eaux de Nil, le barrage qui sont en train de se faire là-dessus. Donc, j'ai à la fois un sentiment de fierté et de joie que mon pays est tenté de rayonner et d'encore mieux faire. Pas seulement au niveau de l'Union africaine. Vous savez qu'il y a beaucoup de temps, il n'y avait pas de Congolais dans des institutions internationales parce qu'on ne payait pas nos cotisations, on ne faisait pas de ceci, mais on se pavanait ici sans faire rayonner le pays qui a fait que certaines personnes aujourd'hui soient connues ou deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui ou bien qu'ils aient des richesses qu'ils ont aujourd'hui. Donc pour nous, nous avons salué cette démarche et il a bien mis à côté de lui une bonne équipe de technocrates qui vont l'accompagner dans cette vision des gens chevronnés que je maîtrise un peu bien. Donc je pense que avec ces gens autour de lui, certainement le Congo en sortira vainqueur. Mais il ne faut pas attendre qu'il va travailler pour mettre le Congo, c'est pour l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Vous avez parlé de la diplomatie congolaise qui était depuis un certain temps au bas de l'échelle. Mais c'est Cheikh Oki Tundu qui a négocié cette présidence à l'Union africaine, c'était en 2016. En son nom, de Cheikh Oki Tundu, au nom du Congo. Mais au nom de la diplomatie congolaise. Ah oui, mais où est-ce qu'ils en étaient? Mais ils avaient un président. Et c'est lui qui avait négocié pour que 2021, la RDC puisse... Ce que je vais vous dire, il ne faut pas sombrer dans les considérations des individus. Il est là qu'il négocie encore quelque chose pour nous, comme ça on dira Cheikh Oki Tundu a négocié. C'est parce qu'il agit au nom du Congo, au nom de la continuité de l'État. Il n'a pas agi comme individu pour nous faire des cadeaux. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. C'est parce qu'il y a d'autres. Mais moi, j'aurais bien souhaité que me disait c'est le président Kabila qui avait négocié. Je te comprendrais. C'est un ministre. Mais la décision que notre président dirige, ça ne vient pas des ministres. C'est une décision qui est prise par le leadership de l'Afrique, qui est le président. Et notre président brillait plusieurs fois, ne participait pas à toutes ces réunions. Vous voyez ça? Ne participe pas à toutes ces réunions. Donc, il ne faut pas nous ramener dans ces histoires de tristes mémoires que nous avons. Nous sommes en train de chercher comment les oublier. Il ne faut pas nous ramener là-bas. Regardons les choses telles qu'elles se passent maintenant. Est-ce que le Congo gagne ou il perd? C'est ça qui nous compte pour nous. Le problème des individus, la République des individus, est en train de disparaître et ça va disparaître. Mais une triste réalité aussi dans ce sommet, ses pères n'ont pas participé à la cérémonie des remises et reprises. En face ici, Denis Sassou Nguesso, par exemple, avait ses invités. Cyril Ramaphosa nous a parlé de Covid, qu'il serait atteint. Donc on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les présidents d'autres pays ne sont pas venus à la cérémonie d'investiture de leur père, Félix Tshisekedi? C'est un problème diplomatique pour la RDC. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? J'ai l'impression que vous avez été dans les réunions sataniques. Il faut qu'on appelle le pasteur pour vous délivrer. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Mais c'est ce que tout le monde a vu. Quel tout le monde a vu? Le problème est clair. Vous croyez que ceux qui l'ont désigné, ils vont encore saboter pour qu'ils puissent assister? Ça, c'est une utopie. Ça vient des officines diaboliques. Mais pourquoi ne sont-ils pas venus? Mais ils ne sont pas venus, c'est clair. Ils ont dit. Vous avez vu beaucoup de réunions mondiales ne se tiennent plus ensemble. Beaucoup de réunions sur le plan international ne se tiennent plus ensemble. Il y a une maladie qui est en train de secouer le monde et vous voulez prendre la vie à la légère. Ils ont bien dit clairement que lui ira symboliquement. Il le ferait aussi ici chez nous. Il ira symboliquement pour prendre la manette au siège. Mais les autres ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'il y a la maladie qui secoue le monde. Tous ces leaders africains, les chefs d'État doivent être protégés.
Donc, c'était clairement bien dit. Et la cérémonie a tourné sur le Zoom, ça a été sur Internet. Et tous ces chefs ont pu participer sur le numérique, ils ont participé à cette réunion. S'ils contestent, pourquoi ils ne peuvent pas leur dire que non, nous, on ne le voulait pas, on peut mettre quelqu'un d'autre. Ça, c'est un discours de diable qui continue à voir leur stratégie diabolique passée, qui pensent qu'ils vont manipuler encore l'opinion maintenant. Ça ne passe plus. Jonas Tchoumé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. J'aimerais, avant de conclure, un message à la population congolaise. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile de la RDC. Un message à la population congolaise qui est en train de vous suivre en ce net moment. Dans les jours à venir, qu'est-ce que la population peut espérer avec ce qui se passe en République démocratique du Congo? Beaucoup de choses. Je souhaite beaucoup de joie et beaucoup d'espoir à la population congolaise. Nul ne viendra jamais travailler pour le Congo, sauf c'est le Congolais eux-mêmes. Donc, d'abord, je demande à la population congolaise de se mobiliser pour que le procès Floribert Chebeya soit réouvert et que toute la vérité éclate et que le coupable subisse la rigueur de la loi. Nous appelons la population congolaise à se mobiliser à ce sujet-là. Deuxième chose, le gouvernement d'Union nationale est tenté de se mettre en place. Ce qui se fait sans vous est contre vous. Vous devez vous lever, être très vigilant pour que le gouvernement ne puisse pas regorger les gens qui sont trempés dans des crimes économiques, pour que le gouvernement ne puisse pas regorger les gens qui sont trempés dans des crimes contre l'humanité ou qui sont cités dans les rapports mapping. Nous voulons avoir des hommes et des femmes, qu'ils viennent du monde politique ou de technocrates, que ces hommes et ces femmes se mettent au service de la population. Un gouvernement au service, pas un gouvernement de se servir. C'est ce gouvernement que nous attendons. Et nous demandons au chef de l'État, en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions, de veiller à ce que les contrats de performance soient partout, même dans les entreprises publiques. En faisant cela, son bilan pourra s'améliorer et il aura un discours en 2023. Bien, merci beaucoup, Jonas Tchoumbela, pour le temps que vous avez disposé. Et je dirais aussi un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage, à l'ensemble de notre équipe de Léon Joléo. Là, je pense à Exaucé Odinga pour la partie technique, Bijou Maïkani pour la coordination, pourquoi pas Odon Boulamba, Thierry Boulambo. Et vous, surtout vous chers internautes qui nous suivez régulièrement depuis la diaspora, vous êtes très nombreux, je ne peux pas citer les noms de tout le monde, Roger Moukeba Johannesburg, Iboala Dago à Rennes, pourquoi pas Jean-Jacques Ngangwangweshe à Paris, vous êtes en tout cas très nombreux à nous suivre en tout cas de partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis merci pour votre attention. Et vous et moi, on se retrouve à la prochaine.